Dès sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma ce mardi 26 juillet 2022, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu n'a pas eu du tout repos. Il a effectué la ronde de toutes les bases de la MONUSCO en ville de Goma afin de se rendre compte de la situation réelle. Le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekoukalipopo, vice-gouverneur du Nord Kivu, s'est fait accompagner des membres du cabinet du gouverneur pour cette ronde. Le vice-gouverneur a par la suite lancé un appel à la retenue. Bokiti samotema. Bonjour Landangaï. Oyo bosali et bolakisi makanisinabino. Bakonzi bayoki. Bomoningaï moko na witi ko kita navion sikoyo. Nazala kiawate. Na kiti navion sikoyo bakonzi balobi nanga kitambangu okene kotala la situation. Bakonzi bayoki premier ministre na witi ko soana sikoyo. Chef de l'état azako landa. Balobaka moi na même soko lingo corrigé zana likanisi okobeta ye mingite. Obete peut-être mbata moko to gangelier akoyoka. Soki bakisi mingi ekomi eloko msusu. Oui. Bomoni oyo ezali communauté internationale. Bazali bato gouvernement asengaki baya awa. Ya solo bisonde to votaka. Mais problème ezali est que gouvernement le couleur a sengaki. Bisom to sengaki ke baya ko sali sa biso gouvernement ndimi toti ka gouvernement a joa décision. Toyokana, toyokana, toyokana. Nandimi, nandimi, nayoki. Toyokana, toyokana. Eloko nyonso esilaka na boyokani. Eloko nyonso esilaka na boyokani. Bakonzi bayoki, boti kangai na sola na bakonzi. Boti kangai na sola na bakonzi. Toyebi eloko nini gouvernement akosala. Tokopesa rapport totika makamu ya mobulu sikoyo. Totika makamu mobulu batu basi ba moni. Tozonga la kimia na bandaku gouvernement akozwa solution. Sous son autorité, une réunion de sécurité s'est tenue à Goma dans l'objectif d'évaluer et de maîtriser la situation. Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteintes aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-MONUSCO non autorisées, j'appelle les populations des villes de Goma, Butembo, Beni et d'autres agglomérations de la province du Nord Kivu au calme et à la retenue. Tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population, je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble, avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles, les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin, tout en présentant mes condoléances aux familles éprouvées et mes compassions à la MONUSCO. J'instruis les forces de l'ordre
et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne qui se rendra coupable des actes répréhensibles, si haut décriés, et de les transférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur. Le bilan s'est alourdi en RDC. Ce mardi, 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo, au 2e jour de manifestation contre la MONUSCO, accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Dans l'après-midi, la situation était toujours très tendue à Butembo, important carrefour commercial où les activités ont été paralysées. Ce qui vient de se passer ici, un casque bleu de la MONUSCO a tué une personne ici dans leur base et il en a blessé une autre. Nous ne voulons plus d'eux ici. Laissez-les rentrer chez eux. Plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Il n'y a pas de paix au Nord Kivu, pas de paix à l'Est. Comment expliquer que le M23 puisse avoir des armes plus puissantes que la MONUSCO ? Mardi matin, des centaines de manifestants avaient envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO à Goma et attaqué le camp de transit de la mission situé hors du centre-ville. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Bye bye MONUSCO scandait des affiches de cette campagne. Les forces de sécurité congolaises contenaient difficilement la foule aux abords de la base logistique. Bientôt c'est quel jour? Je sais, bientôt. Mais n'ai jamais été là. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Nous voyons manifester ce matin, on peut savoir pourquoi? Donc nous sommes en train de manifester que la MONUSCO quitte la RDC. Ça fait déjà au moins depuis 1945, le 26 1945 jusqu'à nos jours. MONUSCO était inclus dans notre pays, mais aujourd'hui ne fait rien. Il est là pour maintenir la paix. Maintenir la paix, ça ne parvient pas à faire une solution pacifique dans la RDC. Mais j'aimerais juste vous en parler que la MONUSCO doit sortir. Vous ne craignez pas la répression de la police parce que nous voyons déjà la rue qui est barricadée par les manifestants? Non, on ne craigne pas la police. La police est comme nous. Nous sommes aussi de la force. La population est une grande force. Mais la police, on ne peut pas craindre la police. Nous sommes là. La MONUSCO doit partir. Et vous allez marcher jusqu'à quand pour aboutir au départ de la MONUSCO? Bon, on va faire tout ce que nous voulons, c'est ce qu'on va faire, mais la MONUSCO doit quitter la RDC. Merci. Et le nom? C'est Salas Mutombe. Merci. Je vous remercie. Ça va? Jérémy? Hein? Jérémy? Tu as bien, pas nous demander. Bon, selon ma explication, ça va tout. Mais ce qui a vu qu'on a demandé à jouer à MONUSCO. Manake banapenda MONUSCO itoke njoo banaviko mbarabara. Sasa maoni yako ni nini? Maoni yangu mimi ningewaambia waache tu kutia majo mbarabara. Bajirefere ubie bafere ku kuleta leta njoo na vijende zafanya juu hapo. Na hapo hawezi sema sasa uko na uwezo kukimbiza MONUSCO ubie MONUSCO itoke. Sijui kama vinaweza kuonekana kirahisi. Wangefuata ile ku kuleta leta njoo ngejao ya kufanya. Je préfère commencer en français. Oui, bonjour, vous appelez comment? Moi, je suis Christian Kambale de Keruka. J'ai fini à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Je suis licencié à latin. Je suis philosophe, je suis philologue, je suis de la lignée de la démocratie.
Parlez-nous pourquoi vous manifestez ce matin. Nous manifestons parce que nous voulons le départ immédiat de la MONUSCO. Parce qu'ils doivent nous brandir des preuves 20 ans après. Ils ont éradiqué quel groupe armé? Qu'ils brandissent des preuves et qu'ils citent les noms, les effectifs qu'ils ont éradiqués et les munitions qu'ils ont évidemment prises. Et puis, nous serons prêts qu'ils restent au Congo, bien entendu. Mais nous apprenons que cette manifestation a été interdite par la mairie de Goma. Non, manifester c'est un droit, s'il te plaît. Le régime est tel qu'on est formé. C'est ça. Et vous ne craignez pas que vous soyez dispersé ou la répression de la police? Nous n'avons peur de ceux qui n'ont pas de dents, c'est-à-dire tous ceux qui soutiennent la MONUSCO et les Rwandais qui tuent les gens, qui pillent chaque jour. Alors là, ce sont des chefs qui n'ont pas de dents. Donc nous ne pouvons pas craindre les chefs qui n'ont pas de dents. Pensez-vous qu'à travers cette action, cette manifestation, vous allez aboutir au départ de la MONUSCO? Ça, c'est le prélude. Il y a une suite d'actions qui va venir. Ça, c'est dans notre agenda caché que nous ne pouvons pas révéler. Et puis, nous n'avons pas besoin aussi également de la négociation ou des dialogues quelconques. L'objectif, c'est que la MONUSCO brandisse des preuves d'un seul groupe armé qu'elle a éradiqué depuis les Kassai, partout là où ils sont. Et puis là, nous serons d'accord avec eux. Alors, tu as dit, quand nous avons demandé à l'éo? Nous avons demandé à l'éo de MONUSCO, il y a des gens qui sont au Congo. Parce que tant que nous avons dit, pas qu'à l'éo, hakuna hata groupe moja ya warebeli ambayo wameweza kufukuza na kupele na kuleta vifaa ambavyo vilitoka poini watuoneshe navyo. Bado tunasikia mmea wa Goma amekataza hiyo maandamano. Yeye anaweza kukataa, ninamuona yeye imeshishi tu raia, tunapenda tuoneshe kasirani yetu na hatupendi MONUSCO iendelee tena kuishi mkongo, na kama hawapendi kuenda tunawapatia le délai de 48 heures. Dépasser les 48 heures, il y aura des actions de grande envergure. Tu as vu que tu es en gouffre ça. MONUSCO, il y a. MONUSCO, il y a. Le phare d'ici. Qu'on adopte nos militaires, des armes capables à défendre la nation. Les véhicules, comment les militaires? Les étrangers peuvent marcher avec des véhicules et nos militaires marchent à pied. Les femmes n'ont même pas à manger, leurs enfants. Mais c'est horrible. Donc vous demandez le départ de la MONUSCO? Nous demandons le départ de la MONUSCO et qu'on soutienne nos vaillants FARDC. Nous sommes derrière eux et nos vaillants policiers que nous aimons. Les messages étaient sur les polos, les fichettes. On a suivi dernièrement le président Lukwebo, le président du Sénat aussi qui a appelé au départ de la MONUSCO. Est-ce que pensez-vous que vous allez aboutir voilà, au soutien des politiques aussi? Nous soutenons nos institutions, mais nous savons qu'ils ne peuvent jamais le dire à haute voix. Nous leur disons à leur place parce qu'eux sont à la mangeoire, évidemment, comme toute personne. Mais nous soutenons nos institutions. À partir de la présidence de la République, nous sommes derrière le président. D'accord. Nous les soutenons. Merci. Oui. Merci, on est devant la MONUSCO. En fait, c'est ce que nous avons prévu. Nous avons demandé une manifestation aux autorités, une manifestation pacifique qu'elles nous accordent par rapport à cette bourde de messages que la MONUSCO avait communiqué. Et voilà, nous y sommes, nous comptons rester ici tout le temps que nous aurons un bon message sur la position du départ de la MONUSCO. Et donc ça commence déjà, les autres sont derrière nous, ils sont en train de venir pour nous rejoindre parce que la cause est noble, tout le peuple. Parce que cette cause est noble et qu'elle devait toujours la soutenir. Voilà, nous sommes là avec tous les autres compatriotes et nous pensons que ça va marcher, ça va marcher. Nous serons pacifiques, il n'y aura pas de casse, mais nous sortirons jusqu'à ce qu'on ait la position sur le départ de la MONUSCO. Voilà. Boy, ngana mwana mboka blaze. Nabi boy pour la MONUSCO. Ngana boy MONUSCO na Goma na Congo entier. Donc bango yoso bazonga chez bango. Bango yoso bazonga chez bango. Tolingisu bango te na Congo. Basi bagboli balembongo na biso mingi na Congo. Oya ngoko ka ko futa ba militaire na biso na koma na ligne de front sur Amazonio ko makuna na malili. Oleba futa bango mbongo wana, ba futa ba soldat congolais na mbongo wana ba futa bango. E futa ba sur l'autre côté. Mkonyo so tamo na ba fali, ba jofa na bango kati ba la bala, ba cha de combat. Bo sur l'autre côté. Alors na biboye, on a marre avec bazonga chez bango. Na boy to boy ba MONUSCO na Congo ndebo na lobby na ndenge pe na komiawa on a déjà ma donc na Congo boye indi e baby na ngopo na MONUSCO bazonga che bango. C'est bon. Ouais.
Parlez-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui. Nous sommes en train de manifester pour tous les meurtres qui sont en train de se faire au Congo. Nous manifestons pour réclamer le départ de la MONUSCO parce que depuis 22 ans, la MONUSCO est au Congo, rien ne marche. Pour que nous puissions voir des résultats, en tout cas ça ne va pas. Alors nous réclamons le départ immédiat de la MONUSCO parce que nous ne voyons pas leur travail. Surtout qu'ils sont venus pour pacifier, mais le constat, c'est qu'ils sont venus pour aggraver la situation. Qu'est-ce qui explique ces violences enregistrées pendant la manifestation? On voit que ça s'est transformé en une manifestation de colère. Non, c'est normal pour la population, mais nous essayons quand même de maintenir l'ordre parce que nous sommes en train de calmer les compatriotes qui sont tellement énervés qu'ils jettent des pierres, mais nous sommes en train de voir comment les calmer. Donc, en tout cas, nous ne voulons pas que ça soit du désordre. Donc, nous réclamons le... Ne craignez pas la police. Ouais, ouais. Non, non, la police, elle nous soutient aussi. Elle est tout à fait d'accord parce que ce n'est pas seulement à notre intérêt, c'est plutôt à l'intérêt de toute la nation. Donc, la MONUSCO fait partie de la nation et c'est d'ailleurs pour eux que nous sommes en train de réclamer le départ parce qu'ils ne sont pas payés, pourtant la MONUSCO est payée à leur place. Moi c'est Dieu merci. Je suis là devant la porte de la MONUSCO. Nous sommes là depuis le matin. Nous disons non à la MONUSCO. Nous disons que la MONUSCO parte chez nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de MONUSCO. Nous sommes déjà 22 ans. Nous sommes affectés pendant 22 ans. Ils n'ont rien fait. Ils nous tuent chaque jour. Ils nous tuent chaque jour. Nous disons pas de la MONUSCO. Parce que chaque jour, au niveau des Beni, les gens meurent. Déjà maire, comme les gens maires, nous disons faire la MONUSCO, ce n'est pas seulement à Beni. Ceux qui sont à Beni, ce sont des Congolais. Ceux qui sont ici, ce sont des Congolais. Maintenant, nous disons faire la MONUSCO. Vous allez continuer à marcher jusqu'à quand? Bon, jusqu'à ce que la MONUSCO passe. Parce que nous avons terminé à marcher. Nous disons faire la MONUSCO. Nous disons jusqu'à ce que la MONUSCO passe, que nous avons fait notre MONUSCO. Comment? Non, je m'appelle Raki, je suis un ingénieur des sons en même temps un musicien. Après, je fais de la musique, mais avec cette musique-là, on va sans la paix, on ne peut jamais voler avec la musique. Parce que vu que la MONUSCO, ça vient de faire à peu près 22 ans qui sont là dans notre pays. Donc à tout on a quitté Amman et puis on n'a pas. Au lieu qu'à Amman, on a constaté que puis on a été à côté de la police vite. Mais là, vous demandez quoi? Donc nous demandons juste de la paix pour égayer nos publics ici, pour faire une bonne musique. Il faut que la paix soit là. Sans la paix, on ne peut jamais faire une bonne musique. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que la MONUSCO puisse se dégager parce qu'ils n'ont jamais même maîtrisé un groupe armé ici en RDC. Merci. Déjà 22 ans là. Merci. Jambo Kaka. Jambo Sam. Mina et toi Moïse. Fambie, Léo Tonano Kalamoukia Papani. Leo tunalamukia hapa tuko au moins na 16 jours yenye tuko na marche sana contre MONUSCO. Ça fait déjà 22 ans yenye MONUSCO iko mu Congo. Inatumaltraiter. Iko nenda déjà pana ma baka sable zote zenye de faire des seko na kwa nazo déjà unaenda kutana rebelle alishakuwa nayo. Tulikuwa c'est très regrettable tunakutana mateni zote zetu za mupya déjà rebelle alishakuwa nazo na faire des haya kwa nayo. Nenda kutana MONUSCO inakuwa incapable. Ilikuwa juu ya kutuprotéger, ilikuwa juu ya kuleta ukimya muinchi, lakini hapo ndio wanakuwa tena ku maltraiter population. Inakuwa tena na huko watu wetu walucha wenye jana walikufa, wengine jana walikuwa ba blessé walikuwa ba mingi, ndio maana tunasema hapana. Tuambie kwa nini mnaandamana leo tangu jana mliandamana? Tangu jana tunatia fujo. Je touche à tes sana qui joue à Baba MONUSCO. Vite à Ishe Mukongo joue à MONUSCO. Ça si, va orfele, va veve, va naïala Mukongo. Joue à MONUSCO. Gisse va naïala Ivi. Va soda, va pate mouchara, joue à MONUSCO. Nagisse va soda, va poke, va soda, va na kosa teni. Joue à MONUSCO. Gila qui tu mate so mouer de so joue à MONUSCO. A tu pendi, leo fati, a tu pate solution. Tutoke baende njo kwabo, hatuwapendi tena Ukongo. Na njo maana tunatia fujo yote. Na leo kama tutakufa tena tukufe, tunaitika. Kama baende, tutakufa tena saa jana. Tunaitika kukufia, juu ya nini? Ya inji yetu. Tuko ba Kongole, tunaitika batuachie inji yetu baende. Pourquoi se, ba deteni ba kondane betu. Fatia batumake mupeye étranger.
Pourquoi on va condamner un pays étranger? Je vais t'accueillir à tout coloniser, pas quoi tout. À tout pendre. À tout pendre. À tout pendre. Comment vous forcer? Et t'as quoi, mon père, à vie? Moutou saïde, couille, le mot. À tout pendre.